En février 2020, nous lancions la vidéo Bernard Laroche est innocent, afin de corriger les erreurs et les fausses accusations que nous lisions régulièrement dans les médias et sur les réseaux sociaux au sujet de cet homme. Aujourd'hui, voici le second volet de cette vidéo, destiné à résumer l'ensemble du travail effectué depuis 3 ans sur cette chaîne et de présenter les éléments qui n'avaient pas été développés dans le premier volet. Bernard Laroche est innocent, et ce film va une nouvelle fois en apporter la preuve. Il est souvent dit que Bernard Laroche n'aurait pas d'alibi à l'heure de l'enlèvement de Grégory, et qu'il aurait demandé à son ami Zoncat de lui en fournir un, en lui demandant de confirmer qu'il avait l'intention d'acheter du vin, en sa compagnie. Bernard Laroche indique en effet aux enquêteurs, lors de son audition du 25 octobre 1984, qu'il s'est rendu au domicile de son ami pour effectuer cet achat ensemble, et avoir constaté à cette occasion que ce dernier ne s'y trouvait pas. Cette explication n'a jamais vraiment convaincu les gendarmes, qui ont vu une fausse excuse afin de justifier ses déplacements. Pourtant Bernard Laroche ne s'était pas trompé, Zoncat étant bien absent à leur donner aux enquêteurs, mais cela ne suffisait semble-t-il pas. Or, 5 jours auparavant, le 20 octobre 1984, bien avant que Laroche ne soit suspecté, Michel Villemain indiquait déjà que son ami qui était passé le voir vers 16h, avait pris congé de lui pour se rendre chez son ami Zoncat, afin d'acheter un lot de vin en sa compagnie. Il est sorti de chez moi vers 16h10, 16h20, en disant qu'il devait aller chercher du vin au champion avec un copain surnommé Zoncat. Cette déclaration précoce de Michel Villemain prouve que Bernard Laroche n'avait pas inventé son alibi au moment où les soupçons se sont portés sur lui, mais qu'au contraire, dès les premiers jours de l'enquête, un témoin annonçait déjà ce qu'il allait dire 5 jours plus tard, sans savoir que cet homme serait bientôt suspecté d'avoir commis le crime. Il est souvent dit que Bernard Laroche et son épouse Marie-Ange se sont cachés de Jean-Marie par peur de sa vengeance, ceci démontrant qu'ils avaient quelque chose à lui cacher. Jean-Claire de passage chez Louisette le matin du 23 octobre, l'entend dire que le couple n'est pas chez lui, parce qu'ils ont peur, à cause du gosse. En réalité le couple Laroche ainsi que Muriel et Sébastien, se sont bien réfugiés chez une sœur de Marie-Ange, la veille au soir, le 22 octobre 1984. Mais ceci n'était pas du tout lié aux menaces de Jean-Marie, mais au fait que Marie-Ange fut mise en garde à vue à la gendarmerie de Bruyères, et quasi présentée comme suspecte devant une foule en colère. Au vu du danger, Bernard a préféré conduire sa famille en lieu sûr, à Bifontaine. Le nouveau détective du 1er novembre 84 écrit. Le lundi 22, au 6e jour des recherches, on croit enfin tenir la piste.
À 14h30, une femme à lunettes rondes et manteau rayé se présente à la gendarmerie. Elle a des révélations à faire, paraît-il. Un attroupement se forme aussitôt devant les locaux. Va-t-on connaître enfin le nom du coupable? Déjà certains se disent prêts à le lyncher. C'est donc bien par peur de la foule en colère que les époux Laroche se sont réfugiés chez une sœur de Marie en Jean cette soirée du 22 octobre 84, et non par peur de Jean-Marie Villemain. Le vendredi 19 octobre 1984, vers 19h15, 3 jours après l'enlèvement de Grégory, Bernard Laroche conduit son épouse à l'Épange-sur-Vologne, au domicile des parents de Grégory, afin de jeter de l'eau bénite sur le corps de l'enfant. Il s'attarde environ 45 minutes à leur domicile, puis repart à son travail vers 20h. Pour se rendre à l'Épange, Bernard et son épouse ont selon toute vraisemblance utilisé leur véhicule Peugeot 305 de couleur gris-vert, puisque c'est avec celui-ci que Bernard revient récupérer son épouse le samedi matin après son travail. Le lundi 22 octobre, 6 jours après l'enlèvement, Bernard Laroche accompagne son épouse à la gendarmerie. Vers 19h, il est photographié plusieurs fois par les nombreux journalistes présents devant la gendarmerie, dans son véhicule Peugeot 305 de couleur gris-vert. Cet homme, qui selon l'accusation aurait enlevé l'enfant dans son véhicule Peugeot 305 gris-vert, et qui aurait à cette occasion été amené à effectuer une manœuvre pour laisser passer le véhicule dans lequel se trouvaient une voisine et son chauffeur, à proximité du domicile de Grégory Villemain, se mettrait donc lui-même en position d'être reconnu par cette même voisine en se rendant à nouveau au domicile des parents de Grégory. Cet homme se mettrait également en position d'être reconnu par les gendarmes, en stationnant sur leur parking, alors qu'il avait toute raison de penser que la voisine, si elle l'avait croisé, n'aurait pas manqué de leur décrire le véhicule aperçu ce jour-là. Le fait de se montrer ostensiblement dans le véhicule possiblement utilisé pour l'enlèvement, à la fois sur le lieu du rapt, et devant les gendarmes, peut-il être compatible avec le comportement d'un coupable ? Si un témoin avait déclaré avoir vu la mère de l'enfant à Docel, le jour du crime, en décrivant avec précision son véhicule et son immatriculation, mais qu'au final ni le véhicule décrit, ni l'immatriculation ne correspondaient à la voiture de Christine Villemain, ce témoignage aurait-il été retenu contre elle? Il semble évident que l'on aurait alors déclaré que ce témoin avait commis une erreur, et qu'il ne fallait pas tenir compte de ses déclarations. Pourtant, quand 8 mois après le drame, un témoin se présente pour déclarer avoir aperçu Bernard Laroche rôder autour de l'école, et du HLM Guéchamp,
quelques jours avant le crime, et qu'elle le décrit circulant dans deux véhicules différents de ceux qu'il possède, et dont l'immatriculation est également différente. Alors ce témoignage fut pourtant considéré avec sérieux, et même retenu comme l'une des charges très sérieuses contre Bernard Laroche. Ce témoin décrira en effet deux types de véhicules, à savoir une Renault 9 immatriculée en Moselle, et une Renault 14 dont l'immatriculation finissait par les lettres QQ88. Y a-t-il seulement eu des recherches auprès des propriétaires de ce type de véhicule pour savoir qui pouvait en être le conducteur? Car si une chose est sûre, c'est que Bernard Laroche ne possédait ni véhicule immatriculé en Moselle, ni véhicule de modèle Renault, et encore moins de véhicule immatriculé QQ88. De même, au début de l'enquête, un témoin, M. Deruder, indiquait avoir aperçu une personne suspecte au niveau de l'école de Grégory et des sous-bois que surplombait la maison des époux Villemain, les jours précédant le crime. Il décrit un homme en tenue vert kaki et affublé d'un tic au visage, une sorte de grimace comme quelqu'un qui essaye de bâiller mais n'y parvient pas, selon ses propres mots. Le 25 octobre, un portrait robot est établi à partir de son témoignage, le jour où Bernard Laroche est entendu une première fois par les enquêteurs sur son emploi du temps. En réalité, ce témoin connaissait Bernard Laroche, car son épouse, Evelyne, était sa cousine, mais il ne l'a jamais désignée dans ses témoignages. Il n'y a pas eu non plus de confrontation entre les deux hommes. Pourtant, le témoignage de Michel Deruder fut retenu comme une charge contre Bernard Laroche, d'avoir enlevé l'enfant. D'autres éléments sont souvent évoqués comme des charges contre cet homme. Ainsi, il est souvent dit que Bernard Laroche possédait une cassette de la chanson Chef on a soif. Cette chanson fut utilisée par le corbeau contre les époux Villemain au mois d'août 81, le terme de chef faisant référence à la position de Jean-Marie Villemain, dans son usine d'autocoussin. En réalité, une cassette comportant ce titre fut bien saisie chez le couple Laroche, mais selon Bernard, la cassette aurait été offerte à son épouse Marie-Ange, par un oncle de celle-ci, lors d'une fête de village. L'oncle en question a d'ailleurs bien confirmé avoir offert cette cassette à Marie-Ange, à l'occasion de cette fête. Or, l'enquête a démontré que cette fête de village a eu lieu en octobre 83, soit plus de 2 ans après l'appel au couple Villemain, sur lequel cette musique était diffusée. De plus, la chanson qui se trouve sur la cassette de Marie-Ange n'est en fait qu'une adaptation à l'accordéon, signée Pierre Paracini. Thank you.
quand on parle des aveux de Muriel, l'histoire qu'on nous raconte depuis 38 ans est celle d'une jeune fille interrogée par les gendarmes et qui, placée devant ses contradictions, finit par avouer s'être trouvée avec son beau-frère lors de l'enlèvement de Grégory Villemain. Des aveux spontanés selon ce qu'on nous raconte, et qui surprennent même les enquêteurs, qui, à les entendre, ne s'y attendaient pas vraiment. Mais les aveux de Muriel ont-ils été si spontanés? Dans le hors-série du Bien Public daté du 7 janvier 1994, et entièrement consacré au procès de Jean-Marie Villemain, page 22, se trouve une anecdote qui est passée relativement inaperçue. Il s'agit du témoignage à la barre d'un commandant de gendarmerie, évoquant des repérages effectués juste après les premières auditions de Muriel. On évoque les repérages faits par les gendarmes sur l'hypothèse de Bernard Laroche allant chercher sa belle-sœur au CES pour l'assister dans l'enlèvement de Grégory. Le témoin indique que ces repérages ont eu lieu après les premières auditions de Muriel et de Bernard Laroche qui présentaient des variations. Or, les premières auditions de Muriel datent des 31 octobre et 1er novembre 1984. Des repérages sur la thèse Bernard Laroche accompagné de sa belle-sœur ont-ils eu lieu avant même la garde à vue de Muriel des 2 et 3 novembre? Dans le journal Le Monde, du 4 décembre 1993, on peut lire. Le témoignage des gendarmes a en effet permis d'établir qu'ils avaient déjà étudié, avant l'audition de Muriel, un itinéraire menant de son école à la Vologne, en passant par la maison des Villemain et par la poste de l'Épange. Certes, ce n'était qu'un itinéraire parmi tant d'autres, mais le simple fait que les militaires l'aient envisagé permet d'écarter l'idée qu'ils ignoraient tout, et ne pouvaient donc pas, volontairement ou non, influencer la jeune fille lors de son interrogatoire. Thank you.
Bernard Laroche fut le premier véritable suspect de l'affaire Grégory. Il fut mis en cause par les enquêteurs au début de l'enquête, en se basant notamment sur des analyses d'écriture et certaines des déclarations de sa belle-sœur Muriel. Il fut incarcéré le 5 novembre 84. Mais après plusieurs mois d'instruction, le juge Lambert décida de le libérer, considérant que les charges qui avaient été retenues contre lui n'étaient pas suffisantes, voire fausses. Dans son ordonnance de libération, il motive sa décision sur des arguments de fond, et non sur des arguments de forme. Les motifs invoqués par le juge sont, entre autres, les erreurs de date de certaines des collégiennes et, selon lui, du chauffeur de car, sur le jour où elles indiquent que Muriel fut absente de son bus scolaire. Le temps nécessaire et le parcours décrit par Muriel n'étaient pas compatibles avec la réalisation du crime. Le fait que l'un des schémas dessinés par Muriel avait été en partie réalisé par un gendarme. Les expertises en écriture ne correspondaient pas à l'écriture de Bernard Laroche. Tous ces éléments de fond ont conduit le juge Lambert à libérer Bernard Laroche, qui devait d'ailleurs bénéficier d'un non-lieu dans les semaines suivantes. Malheureusement, il trouvera la mort alors qu'il était toujours inculpé. Par la suite, l'instruction continuera avec le juge Simon, puis le juge Martin. Elle aboutira à la mise hors de cause, sans ambiguïté, de Christine Villemain. Mais le juge Martin retiendra aussi des charges très sérieuses contre Bernard Laroche d'avoir enlevé Grégory. Dans son arrêt, le juge reprend une partie des charges retenues par les gendarmes et en ajoute de nouvelles, dont le témoignage de Claude Collin, qui affirme avoir croisé un véhicule conduit par un homme corpulent et une femme à la chevelure rousse, lorsqu'il conduisait Madame Claudon à son pré, le jour du crime. Néanmoins, quelques mois après cet arrêt, s'est ouvert à Dijon le procès de Jean-Marie Villemain. Lors de ce procès, une partie des charges qui avaient été retenues contre Bernard Laroche se sont révélées très faibles et, selon le chroniqueur du Figaro Pierre Blois, ne reposant sur rien de tangible. C'est en particulier le fameux témoignage de Claude Collin qui s'est trouvé très affaibli, puisque sa passagère Madame Claudon a contesté formellement avoir croisé un véhicule ce jour-là. Un gendarme a également rappelé que Claude Collin avait initialement déclaré avoir croisé un véhicule à 16h30, et en se dirigeant vers la ferme Claudon, et non à l'heure du rapt, en quittant la ferme. Malheureusement, les débats du procès n'ont pas été sténographiés, mais de nombreux comptes rendus journalistiques existent, et tous vont dans le sens de l'affaiblissement des charges contre Bernard Laroche, et notamment le fameux témoignage de Claude Collin qui n'a pas résisté aux auditions des témoins. Mais depuis 1993 et la clôture des débats du procès, plusieurs arrêts de justice, rendus dans un cadre civil, reprennent néanmoins les conclusions des débats, à savoir que les témoignages impliquant Bernard Laroche se sont révélés peu convaincants. C'est notamment le cas de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, rendu le 9 avril 2009, condamnant le scénario du film TV L'affaire Villemain. Il y est noté notamment: certes, il ressort de l'arrêt de la Chambre d'accusation de Dijon du 3 février 1993, qu'à l'issue de l'instruction initiale, et surtout du complément d'enquête, qu'il existait contre Bernard Laroche des charges très sérieuses d'avoir enlevé Grégory, le 16 octobre 1984. Mais en omettant d'indiquer que les témoignages retenus par le juge Simon, comme fiables et de nature à laisser penser que l'enfant avait été à bord du véhicule conduit par Bernard Laroche, se sont révélés dénués de pertinence, voire faux, lors de l'audience de la cour d'assises en décembre 1993. L'arrêt rappelle également qu'il a été admis qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Bernard Laroche. Un autre arrêt civil, de la cour d'appel de Versailles du 22 novembre 2000, confirme que Bernard Laroche a été blanchi par l'instruction, à l'occasion de la condamnation du journal Le Point pour son numéro du 25 juillet 1992, dont le contenu avait été jugé défavorable à la mémoire de Bernard Laroche. Cet arrêt précise en effet que la société Sebdo avait causé un préjudice à la famille du défunt en procédant au rappel injustifié des charges, dont l'intéressé avait en définitive été blanchi lors de l'instruction. Ces arrêts de nature civile nous rappellent à tous que juridiquement, Bernard Laroche est innocent, et qu'il est innocent, non pas seulement du fait de l'extinction de l'action civile le concernant suite à son décès, mais qu'il est aussi innocent sur le fond du dossier, les charges retenues contre lui étant apparues insuffisantes, notamment lors du procès de 93.
Depuis le début de l'affaire, les accusateurs de Bernard Laroche expliquent que c'est suite à une rencontre avec Michel Villemain, à 16h, l'après-midi du crime, qu'il aurait décidé de passer à l'acte contre son cousin Jean-Marie, pour le punir de sa réussite professionnelle et financière. En effet, Michel, qui avait rendu visite au couple Villemain le dimanche précédent, aurait pu à cette occasion lui raconter l'achat par les parents de Grégory, du canapé en cuir, d'un nouveau véhicule, et le projet d'extension de leur maison, ceci rendant potentiellement Bernard Laroche fou de jalousie, alors que pourtant, il n'avait rien à envier au couple Villemain. Selon ses accusateurs, il s'agirait donc d'un crime commis dans un accès de colère, d'un crime impulsif. Comment peut-on alors, si l'on suit cette idée, envisager que Laroche se serait fait aider de complices, lui qui aurait pris sa décision une heure avant l'enlèvement? L'idée d'une complicité induit une préparation en amont, des repérages minutieux, elle ne se décide pas sur un coup de tête, et ne peut être mise sur pied le jour du crime entre 16h et 17h. L'idée d'une complicité ne fonctionne pas, car elle contredit le crime d'impulsivité qu'aurait commis Bernard Laroche, selon ses accusateurs. Christine Villemain fut déclarée totalement innocente du meurtre de son fils dans l'arrêt de non-lieu du 3 février 1993. Cet arrêt dit qu'il n'existe pas de charge contre elle d'avoir tué Grégory. De nombreux éléments ont permis au magistrat de prendre cette décision en sa faveur, mais le point central de son innocence reste bien son passage en voiture derrière le bus de Christian Clodon, qui venait tout juste de se garer dans la cour de la ferme de ses parents, à 17h32 précise, alors que la mère de l'enfant revenait de ses recherches au village, ce qui signifie qu'elle se trouvait dans son véhicule au moment précis de l'appel du corbeau à Michel Villemain, et que de ce fait, elle ne pouvait donc pas être l'auteur du coup de téléphone revendiquant le crime. Par ailleurs, sachant que Christine Villemain avait déjà passé une quinzaine de minutes à chercher son fils, d'abord auprès des voisins, puis au village, on a pu établir que c'est vers 17h17 qu'elle est sortie de chez elle, pour chercher son fils, ce qui ne lui laissait pas le temps de commettre le crime à Docelles. Le rapport Anacrim indique d'ailleurs, je cite, « Il est matériellement impossible qu'elle ait pu effectuer cet acte, et c'est le chronotachygraphe du bus de Christian Clodon qui permet de l'entériner. » Christine Villemain fut donc déclarée innocente grâce à l'horaire d'un bus. Mais si Christine fut innocentée par un bus, pourquoi Bernard Laroche ne l'a-t-il pas été? Car le 16 octobre 1984, Bernard Laroche, de retour de ses achats effectués au Champion et au PMU de Bruyères, circulait devant un bus dont notre chaîne a révélé l'existence, 37 ans plus tard. Un bus décrit par Monique Villemain, qui fut témoin de son passage, comme étant un bus d'écolier. Pourquoi ce bus, qui permettait de figer le parcours de Bernard Laroche autour d'un horaire incontestable, comme ce fut le cas pour Christine Villemain, ne fut jamais pris en compte dans l'enquête? C'est un mystère auquel nous n'avons pas de réponse, mais qui demandera un jour une explication. Car l'horaire de ce bus, également révélé sur cette chaîne, après des mois de recherche, permet de savoir que Bernard Laroche est rentré de ses achats, non pas à 18h30, comme l'indique par erreur le rapport Anacrim et les enquêteurs depuis 37 ans, mais en réalité 20 minutes plus tôt, soit à 18h10. Au vu du temps nécessaire pour effectuer ses achats, Bernard Laroche s'est donc bien absenté d'Aumonzay, comme l'avait d'abord indiqué Muriel, de 17h30 à 18h10, et non de 17h50 à 18h30, ceci rendant de facto sa culpabilité impossible. Il est matériellement impossible qu'il ait pu effectuer cet acte, et c'est l'horaire du bus d'écolier circulant derrière lui, qui permet de l'entériner.